Chantiers Jeunes permettent à des équipes de 5 jeunes grenoblois de 16 à 20 ans de réaliser des missions de solidarité sur une période d'une à deux semaines à hauteur de 3h30 par jour. Chaque équipe de jeunes est encadrée par un référent pédagogique. Concrètement, après avoir reçu une courte formation, participera à une ou plusieurs missions. D'une part, nous avons des missions de type manuel, comme de l'entretien de sentiers de randonnée ou l'entretien de jardins partagés, des chantiers peinture, mais aussi des activités de type logistique dans la distribution alimentaire et dans la récupération de matériel d'occasion. L'objectif que nous nous sommes fixés, c'est bien celui-ci, c'est-à-dire d'une façon finalement relativement simple, proposer un cadre d'engagement aux jeunes gens grenoblois entre 16 et 20 ans. Alors, l'objectif des chantiers jeunes, c'est de faire découvrir la solidarité aux jeunes de 16 à 20 ans. Parce que quand on dit solidarité, on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. Le fait de connaître de nouvelles associations, de nouvelles façons de faire, de découvrir un peu le monde du travail tout en réalisant des chantiers autour de la solidarité. D'aider des personnes, de rencontrer des gens, de rencontrer des associations. Avoir de la cohésion d'équipe, de la complicité, de la confiance. D'autre part, nous avons des missions d'animation. Donc les jeunes pourront par exemple accompagner des personnes atteintes de handicap en randonnée en joëlette, participer à des animations dans une résidence autonomie pour les personnes âgées, ou encore préparer et distribuer des repas pour les personnes migrantes. C'est un partage de compétences, un partage de savoir. C'est se sentir utile parce que leur travail, ils ont vu la différence entre avant leur passage et après leur passage. C'est évidemment le bien qu'ils apportent au travers de l'action qu'ils mènent. C'est gratifiant pour la personne qui est en fauteuil, mais c'est gratifiant aussi pour la personne qui a ses deux jambes et ses deux bras. Chaque année, associations et collectivités territoriales ouvrent leurs portes pour recevoir et accompagner les jeunes. En échange de leurs services, les jeunes toucheront une indemnité qui leur permettront d'avancer dans leur projet personnel à un âge où ce n'est pas toujours évident de trouver un job pendant les vacances scolaires. Ça offre une expérience professionnelle qui n'est pas conventionnelle en fait. C'est un job d'été, c'est sûr, mais c'est pas un job où par exemple on va travailler dans un magasin de vêtements. Là, on se sent vraiment utile. Le dispositif poursuit trois objectifs principaux. Le premier est de permettre aux jeunes grenoblois de 16 à 20 ans de découvrir, apprendre et faire vivre la solidarité. Le second est d'être utile aux structures qui font appel à nous. Et enfin, le troisième objectif est de permettre aux jeunes venus de tout horizon de vivre ensemble une expérience forte et intéressante. Déjà, on a visité des choses, on a touché des choses qu'on n'a jamais touchées. Si on se sent un peu, je veux dire, exclu et qu'on n'aime pas trop parler aux autres, c'est un moyen de pouvoir s'exprimer. Puis voilà, et surtout de pouvoir aider les plus démunis, comme j'ai dit. Je pense que c'est important que la génération qui arrive comprennent, perçoivent qu'elle a, d'une certaine façon, son destin entre les mains. On travaille régulièrement avec des jeunes ici et les jardiniers nous font toujours des retours très positifs. J'ai envie vraiment de remercier ces jeunes qui se sont investis et qui ont travaillé en donnant du plaisir à le faire. Ils ont appris à réaliser un projet. Ça nous permet de transmettre aussi ce qu'on sait, d'apprendre aussi la solidarité et comme ça, on sera plus habile plus tard quand on sera plus grand. L'année prochaine, dès qu'ils vont annoncer les candidatures, il faut y aller, il faut prendre un dossier.